Ben, le premier cadeau, c'est Philippe qui va nous l'offrir. Ouais. Ouais. Moi, je vous offre le cadeau d'avoir écouté une heure de Bibi. Je pense que tu es le seul qui l'a... Moi, j'ai tout écouté jusqu'à la fin. Bibi et Geneviève de Noël. Puis, Parce que moi, c'était dans mon plan, mais j'étais un peu en retard sur vous dans l'horaire de l'écoute hier. Puis là, je voyais juste les messages passer. Ah, oh, tabarnak, Bibi de Scalis. Puis là, j'ai eu des mauvais souvenirs. J'ai pas écouté Bibi. Mais j'ai juste un commentaire à faire sur Bibi. J'ai trouvé que c'était très paresseux comme titre. Parce que, comme tu as le titre qui apparaît, c'est marqué Bibi Noël. Ouais, Noël. C'est comme, on dirait, t'sais, ça pourrait être comme être n'importe quoi. Comme un genre, peu de magie, là. T'sais. Le Noël de Bibi. Ouais, mais t'sais, déjà, c'est juste quelque chose. T'sais, je sais pas, une autre émission, mettons. Genre, mais là, ce que c'est, au final, en gros, c'était deux épisodes comme collés de Noël. C'est ça, je comprends. Ça semble être quatre. Quatre épisodes. Ben, en fait, je pense que c'est plus les segments. Cinq segments de 15 minutes. Mais c'était entre les shows. Ouais, c'est ça. C'était la même journée. Ouais, c'est ça. Puis là, écoute, déjà, juste le générique au début, il est tellement long. Comme t'es là, puis tu fais, mais il n'y a rien là. C'est juste d'autres scènes de Bibibi debout à côté du divan. Geneviève en arrière. Puis là, c'est comme, oh, on a compris. Il y a Bibi, ils sont deux, Chris. Là, j'ai compris. Ça finit jamais. Puis là, ce qu'il faut savoir, là, Bibi, il est épuisant. Bibi, ça a pas de... Puis là, c'est ça, au début, tout le monde on a un peu le même réflexe. On se dit comme, ah, OK, c'est comme un peu un enfant. Comme... Ouais. Mais c'est pas comme un enfant, parce qu'un enfant, ça comprend rien, mais ça comprend pas des concepts non plus, tu sais. Lui, Bibi, on dirait, il a tous les outils, on dirait juste, il a tout oublié. Parce que, mettons, tu sais, là, ça commence, là, puis la première scène, c'est Bibi qui vient demander à Geneviève qu'est-ce qui se passe, il a vu plein d'affaires parce qu'il est sorti... C'est entendu de la musique. Bibi, il sort dans la rue, puis ça, ça n'a pas l'air de trop inquiéter personne. Puis là, je comprends, il est invisible. Il va sur la Plaza Saint-Hubert, clair. Genre, c'est ça, Bibi va sur la Plaza. Puis ça, ça serait le fun à explorer, tu sais. On veut voir Bibi sur la Plaza. Il revient, il a acheté un bong de bonbon. Un bong d'un gros poster. Le Bibi bong. Oui, puis il comprend rien. Fait que ça, on voit pas ça, mais tu sais, elle, ça a pas l'air de l'inquiéter. Elle est tout le temps comme un peu similée, exaspérée de Bibi, mais avec comme plein d'amour en même temps. Ouais, ouais. C'est ça. Ben, comme un parent avec ses enfants. Ben, exact. Ouais, mais sauf Bibi. Qu'elle, elle sait pas quand est-ce qu'il va déménager là, de la maison. Ouais, là. C'est ça. Ouais. Ben, comme un parent. Il demande, ce qu'on comprend, c'est que Bibi, il est allé sur la Plaza, puis il a vu, genre, tu sais, c'était le temps des fêtes, là, fait qu'il y avait des décorations, puis tout ça. Puis là, c'est long, là. Tu sais, au lieu de juste arriver puis de faire comme, hey, Geneviève. Je suis sorti, puis là, il y a des décorations, il y a de la musique, c'est quoi ça? Puis que là, on peut tout de suite aller, ah, Chris, c'est Noël, c'est une fête, c'est le fun. Là, oublie ça, là. Ça, je te l'ai fait en 16 secondes. Bienvenue dans 45 minutes de Bibi de Noël. C'est interminable. Je comprends c'est même genre, pas. Geneviève! J'étais là, il y avait des sons qui jouaient. Là, des sons, Bibi, c'est quoi des sons? Il y avait comme des sons, là, de ding, 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 il y avait là. Ah, oh, de la musique, est-ce que t'entends de la musique? Oui, j'aime bien la musique, aïe, on y arrivera pas. On fait quelqu'un. Tête et ça, on dirait que Bibi, il est sous l'impro bien raide aussi. Il n'y a pas de texte, là, lui. Là. Il jazz ça dans Marionnette, je suis un pro, t'es pas pro, bro. Là. T'es pas bon, donnez-en un auteur, ça va aider. Fait que là, Bibi, au début, elle explique Noël comme vraiment sommairement, mais vraiment pas bien. Là. Elle dit genre, Noël, c'est une fête, on met des décorations. Puis là, tu vois, c'est ça, je te dis, le Bibi, il comprend déjà des affaires. Parce que, mettons, il demande c'est quoi les décorations, puis elle fait, ben c'est des décorations de Noël, Bibi. Quand c'est Noël, on décore. Puis là, t'es comme, gars, tu vois, ça marche pas. Ça, là. C'est pas une bonne expérience. Quelqu'un qui sait pas c'est quoi des décorations de Noël, tu dis, on décore pour Noël, il comprend pas plus. Là, c'est la même racine c'est de une mots, définition là. Circulaire qu'on appelle. Ouais, c'est ça, on évite ça, là, le plus qu'on peut. Mais Bibi, de tu il retire quelque chose. Il est comme, ah, ouais. C'est pour ça que ça amène juste plus de questions plus tard. Ouais, exactement. Ça s'éternise. Bon, fait que là, attends, là, j'ai plein de notes. Là. On rentre dans du Bibi bashing. Là. C'est pas Bibi bashing, parce que même, il y a des moments de tendresse pour Bibi dans non, mes c'est notes. Une intervention. Bibi, c'est une intervention. On est là parce qu'on est tes amis. Ouais, ouais, mais en... Bon, tout ça, premièrement, aurait pu être un sketch de 3 minutes et demie là, en ouais. tout, puis ça dure ouais. une heure, fait vraiment très frustrant. Bibi comprend jamais rien, mais au moins, il dit puis il sait. Ouais. Tu sais, honnêtement, par rapport au monde qui capote sur Hubert Lenoir, Bibi est une coche en haut. Parce que, il sait qu'il comprend pas. Sait pas. Ouais, il sait qu'il y a une explication, que s'il l'avait, il serait down. C'est ça. Mais il veut juste l'avoir c'est d'abord. Puis malheureusement, dans son cas, il est pogné avec une normie. Parce que ça, c'est une affaire que j'avais moins réalisée dans le temps, quand j'avais 6 ans. Geneviève, là, hey, bobo, ça va pas super, là. Non, on est un peu loser, là. Ouais.
Hein? Tu dessines chez vous, toi, pis t'es ami avec un petit gars qui comprend rien? C'est ça ton quotidien, genre? Mais c'est un extraterrestre. Non, non, ça, c'est le bout excitant de ça, effectivement. Mais tu sais, au début, elle devait être comme Chris, ça va être malade, c'est un extraterrestre. Il n'y a rien de malade, il comprend rien. Ça aurait été vraiment nice d'avoir la suite de Bibi, mais là, c'est Geneviève sur la planète des mille Zédiens. Tu comprends pas. C'est elle qui comprend jamais. Qui comprend pas les coutumes. Hey, t'es-tu comme... malade? Là, ça, c'est une série où tout le monde est gazé, quoi, quand, 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 quand